Le sir, Lou. Bonsoir. Lou, premièrement, t'es-tu armé? Moi, toujours. T'es armé? Oui. Ok, tu vas lever tes bras, Luciano. Tu vas le fouiller, s'il te plaît. Mon père, donne-moi ton arme. Things. Il y a un marteau aussi. Non, le marteau, là, avant que tu m'encolles un, là, il va en avoir deux autres. Il va te tirer dessus, non? Anyway. Moi, j'ai un asti de problème, puis là, il faut que je deal avec ça. Tu fais quoi, toi, pour nous autres? Ben, pour nous autres, est-ce que pour Dave? Pour Dave? Ouais. Tu veux dire des choses que je bouge pour lui? Ouais. Ouais. Des paquets, là? Ces paquets-là, là, ils viennent de où? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils viennent de où, ces paquets-là? Je sais pas direct. Ils viennent de Dave? Sont... C'est Dave qui te donne les paquets? Mais ouais. Il me provient les matériaux pour le paquet. OK. Là, on te donne un contact, puis lui donne des adresses pour que tu ailles porter le stock? Ouais. Tu vas le porter en notre nom, le stock? Tu es au courant de ça? Comment ça marche? Oui. Puis moi, là, quand moi, j'ai de la marde, là, que nous autres, là, on n'a pas touché au crise de boîte, là, mais j'ai reçu de la marde, là, comme quoi que le contact, il dit, là, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Ses clients, lui, ils se plaignent. Là, on a un problème, là. Ben, nous autres, on te fait confiance que tu vas porter le stock. Quand on te donne le stock, si on te donne 5 boîtes avec 100 grammes dans chaque boîte, tu es supposé d'aller porter les 100 grammes dans chaque boîte chez chaque client. On s'entend. Ouais. Là, il y a deux boîtes qui nous ont revenues. Il y en a une, combien qui manquait dans une, il y avait? Il y en a une qui en manquait pas mal. Il en manquait 98. Il y avait 2 grammes. Il en manquait 80. T'as-tu fouillé dans le stock? Non, je touche pas le stock. C'est la première fois, moi, j'attends de parler de ça du tout. J'étais pas au courant qu'il y avait rien qui manquait. Il y a personne qui m'a contacté pour me dire. Le contact m'a jamais rien dit non plus. C'est la première fois que j'en entends. Le contact, ben franchement, lui, il s'en calisse bien de toi, là, parce que t'es un pion là-dedans, là. T'es bien plus nous autres, là, quand il servait. Hey, tabarnak, tu m'envoies qui? Même Dave était surpris, on se demandait c'était qui. Là, c'est quand il nous a dit, il y a un esti d'accent de bâtard, là. J'ai dit, OK. OK, là, on s'est pas posé de questions, là. Mais tu fouilles dans le stock et tu penses qu'on le saura jamais? C'est pas moi direct, j'ai jamais touché au stock. Écoute, t'es le seul, là. T'es le seul qui a passé ces boîtes-là, là. Moi, quand Dave il me dit, moi, j'y demande, Calice, à qui tu l'as donné? C'est rien que loup, là. Et là, t'as pas le choix. Quand je te donne les affaires, elles sont complètes, là. Ouais, puis je te jure, je les délivre complètes. Jamais manqué un. Ouais, mais là, j'ai l'impression que tu nous mens pas mal, là. C'est plate, là. Moi, je te connais pas, mais je t'aime déjà pas, là. Là, on a laissé le problème. Non, je peux comprendre ça, mais avec combien de boîtes j'ai fait pour Dave, c'est la première fois que j'entends le problème. Ouais, mais il y en a eu deux. Fait que ça commence tout le temps correct. Vous êtes tout le temps correct au début, là. Tout le temps beau, fin, à l'heure. Ça travaille. Oups, ça commence à faire trop d'argent. Ça commence à fouiller dans le stock. Ça répond pas au téléphone quand on les appelle. Puis des affaires de même. Ou ça nous rappelle plus tard. L'étape, elle s'en vient. Je l'avoue, il s'en venait, l'étape, là. Là, t'as commencé à fouiller. 100 grammes, t'as l'impression que le gars s'en aperçoit. Exactement. Pas. Ben, si 100 grammes, tu t'en apercevras certainement, là. Il s'en est assez aperçu pour rappeler son contact que lui nous a appelé en tabarnak, là. Il était vraiment pas de bonne humeur, là.
Nous autres, c'est notre source de revenus, là. Ben, c'est mon source de revenus aussi. Je suis pas content de savoir ça, moi non plus, là. C'est pas juste ta réputation, c'est la mienne aussi. On va régler ça comment, là? Ben, enlève ton chandail, enlève ton chandail. Enlève ton chandail, là. Dave, là. Règle ça, là. C'est assez niaisage, aussi. Bienvenue dans la gang, Yessi. Puis que ça, ça soit la dernière que tu reçoives tout seul. Bienvenue, bienvenue, mon loup. C'est chiant. Bienvenue, mon loup. T'es un esti de bon soldat. Ben, franchement, tu nous as prouvé comme quoi que t'es tout à sa coche. Ouais, tu mérites d'être prospect. Tabarnak, je remercie les gars. Ben, il va t'en donner tes affaires. Et bienvenue dans le club. Ah, oh, merci. Hey, Calis, tu me faisais peur, là. C'était un peu ça le but. Ouais, en plus de ça, là, j'étais comme, ouais, j'étais, oui, je vais me popper ici, pis tu vas parler de ce bill. Bienvenue, bienvenue, mon loup. Ah, j'apprécie ça. Continue ton bon travail, pis on se voit pas souvent, nous autres, moi pis toi, mettons, là, c'est sûr, j'ai pas mal d'affaires à faire, là, mais Dave, il me ramène tout le temps des bons commentaires à ton sujet, pis tout. Pis c'est ton parrain, c'est lui qui te te push vers notre groupe. Fait que je suis bien gros ses conseils. C'est un bon là, Dave. Là, moi, c'est mon bro. C'est tout pour moi, lui. Luciano ben, aussi, c'est. Luciano aussi, c'est un vrai, c'est un bon, c'est un fondateur. Puis, t'es bien chanceux d'être directement avec les fondateurs. Fait que, t'es bien parti, mon chum, lâche pas. Ah, oh, super, j'apprécie vraiment ça, les gars. Fait qu'on s'en va arroser ça au Unicorn, si Greg nous attend à aller arroser ça, là. Let's go, ça va ouvrir la soirée, tout ça. Fais-tu pas quel go, le gars? OK, let's go, le gars.